angles sont pris en. Puis moi, sont rouges. Yeah! Oh my god, on fait. It's like mustard and ketchup. Ah yeah! We're back. Hello! Oh my god. Comme je vous avais dit, je vais faire un haul avec ma twin parce que je suis allée magasiner avec elle. On est allé à deux places différentes. Donc, on va commencer par la place où que les deux on a des morceaux. Puis après, je vais faire la place où il y a juste moi qui ai des morceaux. On va commencer par le Winners. Et j'ai commencé parce que j'ai un peu plus de morceaux que toi. Premier item. Ok. C'est une camisole bien normale, elle est blanche, mais elle est en laine. Avec un petit cross en avant, vraiment cute. Puis elle est quand même courte, mais avec des jeans style, tu peux la mettre sans tout foirer ton code vestimentaire. Faut juste que tu mettes quelque chose par-dessus parce que les bretelles sont pas réglementaires. Perfect. Ok, j'aime vraiment cette camisole-là parce qu'elle est crisscross en avant et on dirait que ça me fait des plus gros seins, puis j'ai vraiment des petits seins, donc voilà. En arrière, ça fait un V, ça fait vraiment beau, puis comme je vous disais, avec dans le fond les jeans style out, ça se porte bien parce qu'elle est plus comme longue que les jeans. Donc ça va pour ceux qui ont un code vestimentaire, tu fais juste comme mettre un petit jacket par-dessus puis c'est parfait. Ok, voilà! Donc ça c'est l'item à Lauren. Dans le fond c'est un t-shirt bien normal. Il est V-neck, fait qu'en avant ça fait un V, mais il est pas trop trop décolleté, fait que ça se porte bien à l'école. I don't know how to show that it's a V-neck. Il y a, je sais pas si vous pouvez voir avec la caméra parce qu'on est quand même loin, mais il y a comme une couture en avant, fait que ça fait cute, là, ça fait vraiment mignon. Puis ça va super bien. So, I have quite a small waist and quite large boobs. So it's hard to find a shirt that like will fit my waist but also fit my boobs and like not be really tight, and this does that and I'm very happy with it. Mon deuxième item, le troisième item de la vidéo. Donc c'est une autre camisole comme ça. Elle est vraiment courte et je pourrais pas la mettre au Québec parce qu'au Québec j'ai vraiment un code vestimentaire strict, mais ici j'en ai pas. Donc je peux la mettre ici, mais je la mettrai en été au Québec. Et dans le fond, elle monte haut quand même. Elle est pas vinaigre, là, elle monte quasiment jusqu'au cou. Et je trouve ça vraiment mignon. Puis elle est courte, non rayée, voilà. Toute simple. Cette camisole-là, je trouve que ça fait, elle fait vraiment bien. Parce que justement, elle monte haut ici. Donc ça fait ressortir mes épaules. J'ai quand même des bonnes épaules. Donc ça va les faire ressortir, comme je vous ai dit aussi. Elle n'est pas réglementaire parce qu'on ne voit pas ma bédaine, c'est un crop top, mais je pense que pour l'été, puis même ici quand il fait chaud, parce qu'en ce moment je suis au soleil, puis il fait vraiment chaud, puis on est bien. Je l'adore, elle est super confortable. On en rêve aussi, elle monte haut, donc c'est sûr que là en ce moment j'ai ma brassière, mais il faudrait mettre un strawless, donc c'est ça. Quatrième item, deuxième item à Lauren. Wow, c'est des flamants roses! Ok, Lauren a acheté ça, mais genre moi je tripais autant dessus. Qu'elle a le très petit. Dans le fond, c'est un gros sweater, si on peut dire ça. C'est un genre de laine. It's fuzzy. C'est vraiment doux. Même si on dirait qu'au début, genre, ça va être piquant, ça va pas être confortable. Mais pour vrai, c'est vraiment doux. Les flamants roses sont super beaux. Le chandail, il a l'air blanc, mais il est rose et rose foncé. Puis c'est ça, il est manche longue, il est vraiment beau, il est vraiment doux, il est super chaud. Parfait pour l'hiver. This sweater, we have flamingo. What are flamingos in French? Flamant rose. Flamant rose. And it's white and fuzzy, and I don't know if you can see, but it's actually like hairy, and it's got like little hair sticking. Oh, I just shed it everywhere. And it's fuzzy and hot, and I'm really hot right now in the sun, so. Avant dernier item de Winners, parce que Lauren en a une autre aussi. Mais je me suis acheté un item que toutes les filles devraient avoir dans leur garde-robe. C'est un item passe-partout. Tu peux mettre ça n'importe quand, n'importe où, pour n'importe quelle occasion. Donc, c'est une robe noire, complètement noire. Elle est quand même longue, fait qu'elle est pas comme trop sexy si on veut pour la mettre à l'école. Vous pouvez la mettre à l'école. Elle est manche longue, donc c'est chaud pour l'hiver.
mais c'est aussi beaucoup trop chaud pour l'été, donc mettez pas ça pour l'été. Puis il y a un petit col roulé, donc c'est parfait pour mettre ça autant à l'automne, au printemps ou à l'hiver. C'est un peu chaud pour l'été parce qu'il est en laine, mais et elle est noire, ouais. C'est parfait, puis je suis vraiment, je l'adore, je suis vraiment contente. Passe-partout, ma robe noire, et comme je vous ai dit, elle était un peu col roulé, donc pour l'été c'est peut-être pas l'idéal parce qu'en plus elle était en laine, donc c'est quand même chaud en ce moment, j'ai comme le soleil sur moi puis j'ai vraiment chaud. Aussi, elle est quand même assez longue, donc c'est, tu peux la mettre à l'école, pas de problème, c'est pas dangereux, c'est pas trop sexy si on peut dire ça comme ça. Je trouve que ça fait avec tout, tu peux mettre ça n'importe quand, pour n'importe quelle occasion. En plus elle est noire, donc ça l'amincit, donc ça fait pour toutes les formes de filles. Je trouve ça super beau. Ok, voilà. Also, there's a hole in it. Ah oui! And I sewed it. And look how good it looks. You can't even tell that there's a hole right there. Wait, turn this way. There's a shadow. Go, come this way. This is there. Beautiful. Look, it was right there. You can't even tell it was there. Ugh, I'm such a good sewer. Parce que dans le fond, je l'ai payé en rabais parce que justement, il y avait un trou dedans. Parce que c'est vraiment de la bonne qualité. Et puis j'ai comme payé 20$ pour la robe. Donc, voilà, Lauren, elle m'a juste cousu ça, puis une professionnelle. Ça paraît même pas. Dernier item de chez Venus, Lauren, elle a choisi un chandail que moi aussi j'aime beaucoup. On magasinait pour les deux en même temps, fait qu'on s'est trouvé chacun des morceaux de linge. Donc voilà, voici le voilà. Le chandail, il est blanc. Il est serré au bout des manches, des manches longues, puis au bout des manches, il y a comme un genre d'élastique qui fait que ça sert, fait que ça fait comme des manches goofy, puis je trouve ça vraiment cute sur Lauren. Avec les straps de couleur bleu, jaune, rouge et un genre de vert kaki un peu. C'est vraiment beau. Puis il est quand même ras le cou, là. Il est quand même haut. Puis il est super chaud, il est en laine. Donc bon, encore là pour notre automne vraiment froid, je crois que c'est parfait. Puis ça y va super bien. Ou même quand ce n'est pas froid, parce que je suis toujours froid. Donc même quand c'est comme l'automne ou... Comme même quand c'est pas l'hiver, je vais la mettre parce que... Little thin. Oh yeah. So Abby and I have very different style, but I feel like this like describes my style well, like how I like to dress, because it's got the colors, and it's warm and long, and I love the like, these are kind of weird and funky, the little like come... like little balls and bells. I do really love that style too. And yeah, I feel like it's very colorful and different. J'ai un dernier item de chez Winners, mais c'est pas un morceau de linge, c'est un accessoire. Puis et dans le fond, je suis allée magasiner, puis c'est vraiment ça que je voulais m'acheter à la base. Puis on est allé au Winners parce qu'on est allé à plein d'autres places avant, puis on n'en avait pas trouvé de mon goût. Puis là, on est arrivé au Winners, puis Lauren allait trouver la pièce qu'il me fallait, est exactement ce que je voulais. Je vous le présente. Ah! Ok, c'est une sacoche. Je sais pas si vous voyez bien, mais... Oh, avec le... Okay. Il y a genre des motifs de cœur dessus. C'est tout des cœurs comme cousus. Puis en avant, il y a un autre cœur noir. Puis à l'intérieur, elle est séparée en trois parties. Fait une partie là, une partie avec le zipper, puis une autre partie là. Je l'utilise déjà, c'est pour ça qu'il y a des affaires dedans. Je l'utilise à tous les jours, puis pour vrai, je l'adore, vraiment belle, elle est super solide. Puis j'ai payé un bon prix, j'ai payé comme 60$. Fait que c'était vraiment beau, puis je suis vraiment contente, puis je l'adore, puis je la mène partout. Deuxième magasin, Stitches. On est allé au Stitches parce que je trouve que ça ressemble au Urban Planet du Québec. Il y a vraiment du beau linge là-bas, puis c'est vraiment du linge original, autant qu'il y a du linge comme vraiment basique. Puis j'avais besoin d'un chandail noir, parce que j'ai vraiment des pantalons intenses, on peut dire ça comme ça, c'est des pantalons rayés noir et blanc. Puis j'avais besoin d'un chandail noir pour les mettre avec, parce que sinon ça fait vraiment comme trop. Fait que c'est ça, je me suis juste acheté un chandail noir vraiment simple, là, il est rond autour du cou, puis il est manche longue, puis il est noir, puis c'est ça. Au Stitches, j'ai aussi acheté des jeans. C'est vraiment spécial, ils sont pas comme mes jeans d'habitude.
Ça, comme ça. OK. dans le fond, je trouve ça vraiment beau parce que le zipper, comme vous voyez, il est vraiment long puis il est vraiment comme... Je sais pas, il est beau là avec le petit rond. Puis ils sont vraiment taille haute puis ils me font super bien puis ils sont longs. J'ai pas besoin des roulés aux extrémités, sont assez longs pour que je les mette au complet. Donc voilà. J'ai mis les deux pièces de Stitches ensemble parce que dans le fond, c'était les deux derniers morceaux qui nous restaient. Mon chandail noir, vraiment simple, comme je vous avais dit, il est rond autour du cou puis il fait super bien. Ma pièce préférée, mes jeans. Dans le fond, je trouvais que c'était original avec le zipper qui monte haut puis comme la petite boule. Puis il n'y a pas de poche en avant, donc pour les filles qui aiment ça avoir des poches en avant, ben c'est pas l'idéal, mais il y a des poches en arrière, inquiétez-vous pas. Puis dans le fond, j'ai vraiment quand même une petite taille. Il faut quand même grande la taille, mais ça se court. Donc voilà, ils sont parfaits, ils sont quand même longs aussi. Donc voilà, je les aime. Puis je trouve que ça fait un beau outfit, ils sont ensemble aussi. Donc... Et tu nous demandes où Abby regarde. Il y a comme une fenêtre là, et on regarde nos réflexions dans la fenêtre. Oui, parce que c'est la fenêtre, ça fait comme un genre de miroir. Fait qu'on peut se voir, fait qu'on regarde pas là pour rien, c'est parce qu'on a le miroir. Que voilà! J'espère que vous avez aimé la vidéo. Pour vrai, ça a vraiment été cool de présenter nos morceaux de linge ensemble. Et même si ça fait quand même un bout qu'on est allé les acheter. Donc voilà, commentez-moi qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse comme prochaine vidéo. Parce qu'on a besoin d'idées. À moins que Lauren ait des idées. Oh yeah! D'accord. Mais même à ça, si vous voulez une vidéo spéciale, commentez-la dans les commentaires. N'oubliez pas de donner un gros thumbs up à cette vidéo-là. Suivez-moi, subscribe. Puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Si tu veux me voir dans cette chandail, allez sur mon Instagram qui est... Yeah. Good. OK, on se revoit dans une prochaine vidéo.